Dans la nuit cortenaise, au Fab Lab, pas de répit pour les participants du Pixel Weekend. Une cinquantaine de passionnés sont réunis. Ici, ces jeunes étudiants s'attellent à l'écriture d'un scénario. Ça passe de neutre à la tristesse, la terreur, au futur et à l'espoir. Ils ont 48 heures pour réaliser un jeu vidéo en intégrant la figure de Napoléon. Écriture, développement, son et graphisme, à chacun son rôle. On va faire un jeu de dés où on intègre en tant que personnage principal Napoléon et avec un voyage de Napoléon à travers les époques sur une base graphique. Avant tout, c'est mettre en pratique un peu ce qu'on apprend dans notre filière. Et puis l'expérience, le challenge, ça, c'est toujours un plaisir. Ça met un peu à la pression, mais bon, on s'adapte, on essaie de rester organisé. À l'étage, c'est la partie film d'animation. Élodie et Daniel, tous deux professeurs à la fac de Corté, ont décidé de s'inscrire. L'idée, lancer Pasquale Paoli à la conquête de l'Ouest. Transporter où ça? Ben, au Far West. Donc ça, c'est le plan de départ, en fait. On fait le plan de départ. Et là, attention. Il y a du vertige. C'est intergénérationnel, c'est un moment sympa. C'est une autre façon aussi de créer des relations entre étudiants, et lycéens et enseignants. Au-delà de la convivialité, cet événement vise à développer le secteur du numérique sur l'île, tout en liant plusieurs enjeux. On sent en effet qu'un jeu vidéo, un micrométrage d'animation, ça peut s'appliquer à plusieurs secteurs d'activité. Ça peut être de la communication, ça peut être effectivement du cinéma, de l'entertainment, des dispositifs éducatifs avec les Serious Games. Donc en fait, c'est très varié et je pense en effet que ça intéresse pas mal de monde. Dimanche, les meilleures productions seront saluées au cinéma L'Alba de Corté par un jury de professionnels. 50 nuances de grec. Dans le style, c'est ça.